elle est, mon erreur? Parce que je ne t'aime plus? C'est ça, c'est bon? Il est fidèle, comme nous venons de le chanter. Il est aussi fidèle à son amour. Son amour durera toujours. Et c'est un chant qui est dans le nouvel album que nous venons de faire. Nous voulons chanter, adorer Dieu. Sûrement, vous ne le connaissez pas. Mais la Bible dit, chantons, louons les Seigneurs avec un cantique nouveau. Et donc, de temps en temps, il y a aussi des cantiques nouveaux dans la présence de Dieu. Amen. Ton amour m'a fait du bien. Ta puissance a brisé mes liens. Je suis sorti vainqueur de l'épreuve. Car ton amour a fait ses preuves. Ton amour m'a fait du bien. Ta puissance a brisé mes liens. Je suis sorti vainqueur de l'épreuve. Car ton amour a fait ses preuves. Laisse-moi chanter. Ton amour est là. Je crierai partout. Ton amour est grand. Laisse-moi chanter. Ton amour est là. Je crierai partout. Ton amour est grand. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. C'est de rester toujours attaché à ton amour. Pour qu'en ces jours, je me retrouve devant toi, te chanter pour toujours. Ma décision, c'est de rester toujours attaché à ton amour. Pour qu'en ce jour, je me retrouve devant toi, te chanter pour toujours. Laisse-moi chanter. Ton amour est là, je crierai partout. Ton amour est grand, laisse-moi chanter. Ton amour est là, je crierai partout. Ton amour est grand, laisse-moi chanter. Je crierai partout. Ton amour est grand.
je crierai partout. Ton amour est grand, ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait. Je ne m'éteirai point, je le dirai. Du bien Seigneur, mon péché est pardonné, a fait du bien Seigneur. Ton amour m'a fait du bien, m'a fait du bien. M'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. M'a fait du bien. M'a fait du bien. M'a fait du bien. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré, de tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de rois, tu es digne, digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré, de tous nos cœurs, chantons, jamais, encore. De tous nos cœurs, nous chantons, te chantons, jamais, 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 le roi des rois, le roi des rois, oh, parce que le Père. Éternel, tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne, tu es digne d'être le roi des rois, le roi des rois, oh, masque de paix. Tu es digne de nous voici devant ton trône. Chantez, tu es digne. Chantez, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Écoute ceci, chantez avec moi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Rien ne peut se comparer à toi. Chante-le encore, Seigneur, tu es le Dieu. Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur.
Éternel, tu es digne de louange, tous nos venons à toi. Pour chanter, tu es digne, alléluia, tu es digne d'être adoré. Mieux que ça, tu peux acclamer mieux que ça. Il est digne d'être adoré, il est le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ce soir avant d'entendre la parole de Dieu? Quelqu'un peut dire à Dieu, il est digne d'être magnifié. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous voulons appeler ici l'apôtre Peter Bondolé qui va venir nous apporter la parole de Dieu. Nous acclamons très fort le Seigneur pour la vie de l'apôtre Peter qui nous vient droit de l'Australie. Alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? I believe that some family gonna be restored. Je crois que quelques familles seront restaurées. And, I believe that some people gonna be blessed. Je crois que certaines personnes seront bénies. Amen. I thank God for your presence in the house of the Lord. Je bénis Dieu pour votre présence dans la maison de Dieu. Amen. Amen. But first of all, I just want to honor the man of God. Et premièrement, j'aimerais honorer l'homme de Dieu. Amen. Amen. You know, even though I'm big dad. Même si, hein? Even though I'm big dad. Okay, même si je suis le. Okay, je suis père. But when I come here. Mais quand je viens ici. I'm under the leadership of my brother. J'honore le leadership de mon frère. I'm under your leadership. Ok, je suis sous le leadership de mon frère. Amen. Amen. Anything asking me to do, tout ce qu'il va me demander de faire, I will do it. C'est ce que je veux faire. Amen. Amen. And I'm just here to serve. Je suis juste là pour servir. Amen. Amen. And I want to honor the first lady. Et j'aimerais honorer également la première dame. Mama Lydie. La maman Lydie. God bless you. Que Dieu te bénisse. Thank you. Est-ce que nous sommes ensemble? Merci. J'aimerais honorer toute la grande équipe pour le grand travail que vous êtes en train de faire ici. Je suis très fier de voir tout ce qui est en train de se passer ici. Amen. Amen. I remember when we started, just come from a long way. Je me rappelle lorsque nous avons commencé, nous venons vraiment de loin. The first time when the meeting there,
preaching and somebody put a loud music and I was very upset. La première fois où nous avons prêché de l'autre côté à Choisy, on prêchait et un voisin qui faisait des bruits mais de manière excessive. Alléluia. Amen. Amen. But today we thank God. Mais aujourd'hui nous bénissons Dieu. Before I go to my message, I want to say something. Avant que je puisse commencer dans mon message, j'aimerais dire ceci. You know that every time when I came here, there was a prophetic message for the church. Vous savez, à chaque fois que je viens ici, il y a un message prophétique pour l'église. I remember when we moved in this building. Je me rappelle que lorsque nous avons bougé dans cette dans cette salle, nous avions beaucoup de chaises vides. And I said before I flew to Australia. Et je me disais qu'avant que je puisse voyager en Australie, this place would be peck. Who remember that? Vous rappelez que cet endroit sera petit. Amen. Amen. And it was the last Sunday before I flew to Australia. Et c'est juste le dernier dimanche avant que je ne voyage pour l'Australie. We didn't have much seat. On n'avait plus de place. And when I was praying for the ministry, et quand j'étais en train de prier pour le ministère, God showed me, Dieu m'a montré, this season is coming. Il y a une saison qui est en train de venir. Where this place will be too small for the vision. Que cette place sera trop petite pour la vision. No. I see a building. Je suis en train de voir un bâtiment. I see a huge building. Je suis en train de voir un grand bâtiment. And can I say to somebody here, est-ce que je pourrais dire à quelqu'un I'm ici? So proud because je suis très fier parce que c'est une génération where they will take this nation. Qui va prendre possession de cette nation. Oh, come on, somebody. I say that I je dis ceci, a new generation. Je vois une nouvelle génération burning with the fire inside. Et qui vient avec le feu à l'intérieur. Take over the nation. Et qui va prendre possession de la puissance. Je viens de déclarer par la force, par la puissance. Et Dieu qui est au ciel. Et Dieu qui est au ciel. Va répandre son esprit. Va répandre son esprit. Sur cette génération. Il n'y aura plus aucune limitation. Il n'y aura plus de limites. Et il n'y aura plus de limites ici. Amen. Amen. Shall not be any border of limitation. Il y aura plus de limites ici. Shall not be any border. Ok, il y aura plus de bordure ni de border. Border. Pour la frontière de limitation. Ok, il y aura plus de frontières et de limitations. Amen. 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 And I'm so proud. Je suis très fier. Because I believe that the next time when I come again here. Je crois que la prochaine fois quand je viendrai encore ici. This, even though we have not two services. Même si on a plus deux services. Even though we have two services. Même si on a deux services. But I see a third service is coming. Et on va voir un troisième service qui va avoir lieu. But this place is too small. Cet endroit est trop petit. Thank you, Lord. Father, we thank you. Père, nous te bénissons. We give you praise and glory and honor. Dans le nom de Jésus. We thank you, Lord God, for your presence. Pour ta présence. We thank you, Lord God, for your glory. We thank you, Father, for what you're gonna do tonight. Tout ce que tu fais ce soir, ce que tu feras ce soir. Tu es le roi des rois. You are the Lord Almighty. Le Seigneur puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Oh Seigneur, pour toute ta gloire. Yes, Lord God. Oui, Seigneur Père. Father, we do thank you. Père, nous te rendons toute la gloire. Father, I'm so speechless, Lord God. I am speechless. I'm speechless, Lord God, to worship you. Seigneur, un moment pour te doute, pour t'adorer. Hallelujah. Hallelujah. Be glorified. Sois glorifié. Be magnified. Sois magnifié. Be élevé, Lord God. Sois élevé, Seigneur. We thank you, Lord God, for your presence in the house. Nous te rendons grâce pour ta présence dans la maison. Father, we dedicated our program before your presence. Nous voulons dédicacer ce programme devant ta face. Sois l'alpha et l'oméga. Be alpha, Lord God, and omega. Sois l'alpha et l'oméga. Let the life of people be restored. Que la vie des gens soit restaurée. Let the life of people be blessed. Que la vie des gens soit bénie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus. I say in the name of Jesus. Je dis dans le nom de Jésus. Hallelujah. In Jesus' mighty name, we are praying. Dans le nom de Jésus Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Come on,
Ghost, somebody can I hear some Holy Ghost crazy noise? Est-ce que je peux entendre les cris de joie? Les cris de joie dans la maison de Dieu. Hallelujah. Yo, you can do better than tu that. Tu peux faire mieux que ça. You can do better tu than peux that. Faire mieux que come ça. On, yeah, hallelujah. Tu peux faire mieux Jesus. Que ça. Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Wow. I'm sorry. I need to take off my jacket. Okay. The winter is on there now. The winter is on there now. Amen. Amen. Yes, now I can be free now. Just non, give me a couple non, of peux minutes. Être, je peux être libre maintenant. Today is just foundation. Aujourd'hui, c'est juste quelques fondations, fondements. And tomorrow, we still here until Friday, and I believe that many. If you sit, please. Prenez, prenez place, s'il vous plaît. Mm. Nous sommes là demain jusqu'à vendredi et puis dimanche. Amen. 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 You know, like about me, I like to move around here. Vous savez que j'aime bien bouger. Okay. Our main topic we are looking to speak or we'll be looking to break it down. Notre sujet de base pour lequel nous sommes en train de parler, pour lequel nous voulons entrer en profondeur, is about the family according God's heart. Concernant la famille selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. We are looking to break down about the family according God's heart. Nous sommes en train de parler de la famille selon le cœur de Dieu. Now my question, you know, I like to start the message with a question. Je voudrais juste poser la question, la commencer mon message avec une question. And I want you to think. Je voudrais que vous puissiez penser. What do you think about the family? Que pensez-vous de la famille? When we are talking about a family, what is your idea? Quand nous sommes en train de parler de la famille, quelle est votre idée? How the society we are living try to present the family? Comment est-ce que la société dans laquelle nous vivons présente la famille? Psychologically, psychologiquement, socially, socialement, and spiritually, et spirituellement. I want you to think more about those things. They are very important. J'aimerais que vous puissiez penser par rapport à cela, et c'est très important. Yourself when you look about the family. Vous-même quand vous parlez de la famille. Just the word family. Juste le mot la famille. How do you define it? Comment est-ce que vous le définissez? And I believe that society we are living today. Je crois que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. We are running in a dangerous period of the time. Nous sommes en train de courir un temps dangereux. Amen. Amen. Especially according the way God sees the family. Spécialement concernant la manière dont Dieu voit la famille. Because you need to understand something. Parce que vous devez comprendre quelque chose. The way the society we are living today. La manière dont la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui presented the family. Présente la famille. And you look about the way God sees the family. Et vous regardez aussi la manière dont Dieu voit la famille. It's two ways different. C'est deux voies différentes, deux manières différentes. Amen. Amen. Let me say it again. J'aimerais le dire encore. The way the society we are living. La manière dont la société dans laquelle nous vivons. Psychologically. Psychologiquement. Socially. Socialement. The way they present the family. La manière dont ils présentent la famille. Is not according initiated to where God started with the family. Ce n'est pas selon la manière dont Dieu a initialement présenté la famille. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, please. Alléluia. Follow me because I want to break it down here. Suivez-moi bien parce que je m'irai bien expliquer. Because it's very, very important. Parce que cela est très, très important. Understand de comprendre how the family should operate in this period. Comment est-ce que la famille doit opérer dans cette période? Amen. Amen. Now, let me ask a question again. J'aimerais poser une autre question. How God sees the family? Comment est-ce que Dieu voit la famille? And what is God's intention for the family? Et quelles sont les intentions de Dieu concernant la famille? In this time. Dans ce temps. Do you know that even the definition of the family is trying to change? Vous savez, même la définition de la famille est en train, on est en train d'essayer de changer. Legally. Selon la loi. Even here. Légalement, même ici.
They are trying to change. Ils sont en train de changer. Everything they are doing. Et tout ce qu'ils sont en train de faire. They are trying to against. Ils sont. Initially definition of God's family according the word of God. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre la définition initiale de la famille selon la parole de Dieu. Amen. 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 Do you know that today? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, some of the country, dans certains pays, they try to define the family, ils veulent définir la famille, even speaking about, marriage, même concernant le mariage, it's about two men. Concernant par exemple deux hommes. Amen. Amen. It's okay for me and your pastor to get married. Et selon le monde, c'est ok pour moi et votre pasteur de se marier, par and exemple. According many constitution of the nation. Et selon la constitution de beaucoup de pays, they are changing. Ils sont en train de changer. What God has initiated for the family. Ce que Dieu a déjà initié pour la famille. Because when God started the family, quand Dieu a commencé la famille, was not man to man. Il y avait pas homme et homme. Oh, come on, amen. Amen. No, I will go more deeper here. J'aimerais encore aller beaucoup plus the en profondeur. Danger we are facing right now. Le danger que nous sommes en train de rencontrer maintenant. My generation. Ma génération. We know about those things. Nous connaissons ces choses. We know that God didn't start between man to man. Nous savons que Dieu n'a pas commencé entre l'homme et l'homme. But what the enemy is doing right now? Est-ce que l'ennemi est en train de faire maintenant? Is targeting the young generation. Il commence avec la jeune génération. Amen. Amen. Because the young generation. Parce que la jeune génération, they are starting from the school, ils commencent à partir de l'école. Education gonna change. Et l'éducation doit changer. The way Hollywood present the family, la manière dont Hollywood présente la famille, change. Cela change. The movie they are making for the family, les films que les gens sont en train de faire pour les familles changent. They are shaping the mind of people, ils sont en train de traquer la pensée des gens evil pour accepter le mal in society. Dans la société. Oh, come on, amen. Amen. Those who are young, those have the young parents. Tous ceux qui sont des jeunes parents. I will advise you. J'aimerais vous conseiller. Be careful. Soyez attentif. Soyez prudent. About what your children are watching on television. Concernant ce que vos enfants regardent à la télévision. Because the television. Parce que la télévision. Is shaping your children's mind. Est en train de changer la pensée, la mentalité de beaucoup de vos enfants. Everything they put on television. Et tout ce qu'ils sont en train de mettre à la télévision. Is assignment. There's assignment from that. Assignment. There's a teaching from. Okay, il y a un enseignement derrière cela. Amen. Amen. Even some of the cartoon movie. Some of the cartoon movie. That, okay, même certains dessins animés sur des cartoon amen. Network. You found out. Vous allez voir que they accept now to make men to men on that movie. Ils sont en train d'accepter de mettre homme et homme dans ces genres de films. And the many men et homme et homme are raising now the small kids. Et ils sont en train de se lever chez les jeunes enfants. When you have your children, lorsque vous avez vos enfants, those who are growing so young now, et ceux qui sont encore tout jeunes, the idea et toutes les idées, they try to communicate to their mind. Ils sont en train de chercher leur communiquer. You can be adopted. Ok, ce qu'ils sont en train de faire, c'est communiquer aux enfants. De ce qu'ils regardent, ils peuvent se dire, c'est ok, ils peuvent même adopter. And live between men to men. Ils peuvent adopter et vivre entre hommes et hommes. Look now, regardez maintenant. The psychologically of our children, la psychologie de nos enfants is getting on confusion. A beaucoup de confusion amen. Maintenant. Amen. Because calling dad or mom, they don't know who's the one who's mom, who's the one who's the dad. Parce que maintenant ils ne savent pas qui est maman, qui est papa. Come on, somebody, man. Amen. I will come down there. I just want to show you. J'aimerais juste vous montrer. What is taking place right now? Ce qui est en train de prendre place maintenant. And why this message? Et pourquoi ce message? Is very important. Est très important. In the church. Dans l'église. To begin to reveal. Pour commencer à révéler. What the enemy? Ce que l'ennemi is doing right now. Est en train de faire maintenant. When you go to Canada, lorsque vous allez au Canada, I saw a man of God was arrested. J'ai vu un homme de Dieu qui a été arrêté. Because he stood. Parce qu'il a dit. Against homosexual and lesbian. Parce qu'il s'est levé contre l'homosexualité et le lesbianisme. And they make all the story. Et ils ont fait toute une histoire. Just to stop him. Juste pour l'arrêter. To say that. Pour le dire. Church. L'église. We are going in the dangerous time. Nous sommes en train de traverser un temps très dangereux. And we need to raise up our voice. Et nous devons lever nos voix. Amen. Amen. Because if you don't raise up your voice, parce que si nous ne levons pas nos voix, your children, vos enfants, your children, et les enfants de vos enfants,
They will hear. They will receive. Ils vont recevoir nonsense teaching. Les enseignements qui n'ont pas de fondement, de sens. En 2001, I went back to my country after many years. Je suis retourné dans mon pays après plusieurs années. And I was doing a conference at the Pastor Gilles Kibong Church in Ngiringiri. J'étais en train de faire une conférence dans l'église de Pasteur Gilles Kibong Ngiringiri. And I was speaking about the family. Et j'étais en train de parler sur la famille. And I said to them, et je leur ai dit, where we are coming from now, d'où nous venons maintenant, the gay is not anything again about to hide themselves. Les homosexuels n'auront plus, les lesbiennes n'auront plus à se cacher. Before was something, you know, embarrassing to say that I'm homosexual or I'm gay. Avant, c'était quelque chose d'embarrassant de dire que je suis homosexuel ou je suis lesbienne. But today, mais aujourd'hui, become lifestyle. Ça devient un style de vie. And those people, et ce genre de personnes, they are minority of people. Et sont c'est une minorité de personnes. Come on, amen. Amen. It's those people. Ces personnes, they are some minority. Ils sont une minorité. But they have strong influence in the many governments. Mais ils ont une forte influence dans les gouvernements. Amen. Amen. Where even their own, they have their own people in the government. Et même si ils ont leurs propres gens dans leur gouvernement même. Those who are doing this, ceux qui sont en train de faire ces choses. I know that what I'm saying. Je sais de quoi je parle. I'm responsible for that. Et je suis responsable de ce que je dis. Amen. Amen. Maybe those who are following on television. Peut-être qu'il y en a qui vont suivre à la télévision. I'm responsible for that. Je suis responsable de ce que je dis. It's not about pastor. C'est pas concernant le pasteur. It's Apostle Peter Bondo. C'est Apostle Peter. From Australia. De l'Australie. The man the demon knows. L'homme que les démons connaissent. Amen. 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 I know what I'm talking about. Et je sais de quoi je parle. Amen. Amen. And if they don't come to you. Et s'ils veulent pas me voir. If they want to come to you. Et s'ils veulent venir à toi. Send them to me. Envoie-les vers moi. Now. Maintenant. Look at what's happening now. Écoutez maintenant ce qui se passe. I say to the church in Congo. J'ai dit à l'église au Congo. Watch now. Regardez maintenant. After 5 years to 10 years to come, avant 5 et 10 prochaines années, you will see, vous allez voir, openly, de manière ouverte, homosexuals working in Congo and claiming their rights. Et les homosexuels travailler et réclamer des droits. And all the pastors were there. Et la plupart des pasteurs étaient là. We're gonna kill them. Et ils ont dit, on va les tuer. I say wait. Il dit, attendez. Last year, l'année passée, was happening in our nation. Ça s'est passé dans notre nation. Where they want to claim. Ils sont en train de réclamer, to be accepted. D'être reconnu, d'être accepté. I'm coming to show you the definition of the family. Je viens juste de vous montrer la définition de la famille. What I'm saying here to que you, je suis en train de dire aujourd'hui, just to show you, c'est juste vous montrer that the world we are living que le monde right dans lequel now, nous sommes en train de vivre maintenant is taking another shape, c'est en train de prendre une nouvelle dimension, direction for the family. De la famille, sur la famille. Amen. Amen. And what God has started. Et ce que Dieu a commencé, they're denying God authority. Ils sont en train de renier l'autorité divine. Because of their own feeling. À cause de leurs propres sentiments. What they are saying is this. Ce qu'ils sont en train de dire est ceci. When I wake up, when I was born, quand je suis né, I was always playing with the doll. Playing with the doll. Ok, j'étais en train de jouer. A young boy, un jeune garçon va dire, he said, when I was born, il dit quand je suis né, I was interested to play with the doll. J'étais juste en train de jouer, je voulais juste jouer avec les chiens. Non. Ok, sorry. J'étais voulu juste jouer avec les poupées. Amen. Amen. And I feel like I'm more a girl than a man. Et je me sens un peu être comme une fille in plutôt Australia, qu'un garçon. En Australie, par exemple, we are standing now, au moment où je vous parle, one of the person who's standing against that. Et une personne a parlé contre cela. I'm one of the person who's standing against that. Je suis la personne, une des personnes dans une grande église qui a parlé contre ça. Many churches, in many churches. Okay, dans plusieurs églises. Yes, I'm standing against that. Je me tiens contre ça. Amen. Je me lève contre ça. Because amen. I know that, parce que je sais que it's taking place now, c'est en train de prendre place maintenant dans la société. And I believe that church, et je crois que l'église and the God family, et l'appel de Dieu God dans la famille put us there, et Dieu les a mis là truth, pour dire la vérité to represent him, pour le représenter également force, et par la force kingdom,
to reinforce our kingdom. Pour forcer notre royaume. Amen. Amen. The constitution. La constitution is changing. Est en train de changer. And ask the church people. Et à poser la question aux membres de l'église. We are quiet. Vous êtes calme. Amen. Amen. I'm not standing against the homosexual. Je suis pas en train de me parler, de parler contre les homosexuels. But I'm against what they are doing. Je suis contre ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. The lifestyle they are living. Le style de vie qu'ils sont en train de mener. It's not godly. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. No, let us not go in the Bible. Et allons-y maintenant dans la Bible. What is the definition of the family according to the Bible? Quelle est la définition de la famille selon la Bible? What did God say about the family? Qu'est-ce que Dieu dit sur la famille? And why family? Et où est la famille? Why family? Et pourquoi why? La famille? No, let us go in the Bible. Please. Allons-y dans la Bible, s'il vous plaît. My main message will stay more from Genesis. Mon message sera plus basé sur Genèse. Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1er. We start from verse 26 first. Nous allons lire à partir du verset 26 d'abord. Je vais lire. And if you find it, you can read it in French. Ok, je vais lire. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Keep reading until 28. Dieu créa l'homme à son image, verset 27, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, verset 28. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer. Look now. Regardez maintenant. We are talking about the family according God's heart. Nous sommes en train de parler de la famille selon le cœur de Dieu. Now we want to go back in the original way. Et nous devons aller dans la manière the world we are living was started. Okay, nous voulons aller à l'origine pour voir comment est-ce que la vie que nous menons a commencé. You need to understand. Vous devez comprendre the word of God que la parole de Dieu was already be there. Était déjà là. But it was not written. Ce n'était pas encore écrit. Oh, come on, amen. Amen. I'll make you to think. J'aimerais que vous puissiez voir, comprendre, penser. The word of God. La parole de Dieu was there. Était déjà là. But it was not yet written. Mais ce n'était pas encore écrit. Do you understand? Est-ce que tu peux comprendre? Pouvez comprendre? The Bible you and I we are reading. La Bible que vous et moi que nous sommes en train de lire is the word of God. Est la parole de Dieu. But written by the humankind. Mais c'est écrit par les hommes. Oh come on! Don't give me a holy look. Regardez-moi bien. Don't give me the holy look. Ok, ne me regardez pas d'un regard saint. Can I say it again? Maybe est-ce que je peux le dire encore? I said the word of God. Et la parole de Dieu was before even the creation. Était là même avant la création. God was there before the creation. Dieu était là avant la création. The creation didn't create God. C'est pas la création qui a créé Dieu. But God was outside of the time. Et that's why he created everything we see and we don't see. Dieu était en dehors du temps. C'est pourquoi il a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Amen. Amen. He's the one who initiated everything. Et la personne qui a initié toutes choses. God is the one who initiated everything. Dieu est la personne qui a l'origine de toutes choses. He created the heaven. Il a créé le ciel. He created the earth. Il a créé la terre. He created the fish. Everything you see. Il a créé les poissons, tout ce que vous voyez. Everything you imagine. Tout ce que vous pouvez imaginer. God is the one who created. Dieu est la personne qui a tout créé. Amen. Amen. Nothing was created or was made without God. Rien n'a été créé ou fait sans Dieu. Amen. Amen. But my problem I'm coming now is this. Et mon problème est ceci. Every time, à chaque fois, when they are about to do any translation, lorsqu'on veut faire une quelconque transition ou traduction, they will miss the original sense of the word. Et ils veulent changer le sens original de la parole. Can I say this? Je peux le dire ceci? I will give one of the example. Je vais donner un exemple. I need three people. J'ai besoin de trois personnes. Kader, can you come please? Kader, trois personnes. Yeah, did you come? You're a preacher. Okay. Okay.
No, can you stand here, please? Tu peux te tenir là, s'il te plaît. Stand here. One stand here. Tiens-toi là, s'il te plaît. Oui, tiens-toi là, oui. Mets-toi ici. Non, mets-toi là-bas. Toi, mets-toi là. Non, tourne et regarde-moi. Mm-hmm. Mets-toi si tu viens ici. Mm-hmm. Ok, regarde-moi, regarde-moi. Ok. I receive a message. Je reçois un message. Et moi, I want to give you the message now. Et je veux vous donner maintenant le message. And I want that message. Et j'aimerais que ce message. You pass it to Kader. Tu puisses le passer à Kader. And Kader. Et Kader. Will pass it to Juju. Et tu puisses le passer à Juju. Now what happened is this now. Et ce qui va se passer ceci. I will say to you this. Je veux te dire ceci. I want you. Je veux que. Go. Que tu ailles. And give me the water. Et me donner de l'eau. And when you bring me the water. Et quand tu vas m'amener de l'eau. I'm gonna bless you. Je vais te bénir. Non. You go now. Et tu vas maintenant. Explain it to Kader. Explique-le à Kader. Now look now. Regardez maintenant. You'll find out something's already changed. Vous allez voir quelque chose a changé un peu, hein? Oh, come on, amen. Amen. No. Maintenant. No, you get this. Maintenant, now. Toi, tu vas y aller et parle-lui. L'apôtre Peter a dit que si tu vas lui chercher de l'eau, tu lui rapportes, il va te bénir. Do you know now? Can you see what he missed here now? Est-ce que vous voyez maintenant qu'est-ce qui a manqué ici? I said to him. Je lui ai dit. I will bless him. Je veux le bénir. I didn't say I will bless him. J'ai pas dit que je veux bénir Kader. But what did he say? Mais qu'est-ce que lui a dit? Apostle Peter said. Apostle Peter a dit. He will bless you. Il va te bénir. But my promise. Mais ma promesse. I speak to him now. Je parlais à lui seul. Have seat. Asseyez-vous. Now look now. Regardez maintenant. That's why when we are reading the Bible. C'est lorsque nous lisons la Bible. You need to be able. Devons être capables. To maintain the original language to understand what he say otherwise. Nous devons maintenir, nous devons tout faire pour maintenir le langage original autrement. God, sinon chaque enfant de Dieu. I command you. Je te commande. Run away from iPad. Run away from the iPad. Okay, fuyez les iPad. And your telephone. Et vos téléphones. Because the translation of the Bible now. Parce que la traduction de la parole. Ils sont en train de changer. To fit the need of the society. Pour ils sont en train de le changer pour que les besoins de la société changent. To fit the need of the society. To fit. To accomplish the Okay. Ils sont en train de changer la traduction de la parole pour accomplir les besoins ou les désirs de la société. But not according God's intention. Et non selon les intentions de Dieu. Oh, come on, amen. Amen. You will find out. Vous allez voir que. According the definition of the family. Selon la définition de la famille. When you read most of the translation. Quand vous lisez la plupart de la traduction. Ils ont beaucoup changé. It goes down to please the homosexual parce qu'ils veulent plaire aux homosexuels et aux lesbiennes. And some of the verse in. Et certains versets now à l'intérieur, ils sont en train de changer le sens. Come on, amen. Amen. That's what I said to you. Ce que je vous ai dit. Go back to King James version. Retournez à la version King James. Amen. King James. Even though you can still have your iPad. Même si vous pouvez garder vos iPads. But have original Bible. Ayez aussi votre Bible, vos Bibles originales. Amen. Amen. Otherwise. Autrement. Whatever you are reading, tout ce que vous êtes en train de lire, the English and the French, l'anglais et le français, they are trying to manipulate everything. Ils sont en train de manipuler beaucoup de choses. Because they want their voice to be accepted. Parce qu'ils veulent que leur voix soit acceptée au milieu du peuple chrétien. The Bible says, la Bible dit, we are created. Nous avons été créés. According to God's image. Selon l'image de number Dieu. One. La première number chose. Two, la deuxième de we chose. We are created. Nous avons été créés. According to God's likeness. Selon la ressemblance de Dieu. Number three. La troisième chose. God blessed them. Dieu les a bénis. And God authorized them. Et Dieu les a autorisés. To be multiplied. De multiplier. Pardon. Now look at this. Regardez maintenant ceci. What they are doing now? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ceci? When they say men to men to get married. Et quand ils veulent que l'homme et l'homme puissent se marier. They are standing against the law of multiplication. Et ils sont contre la loi de la multiplication. Oh, come on, amen. Amen. Come on, amen. Amen. Because God says. Parce que Dieu dit.
When God created, quand Dieu a créé man and the woman, l'homme et la femme, God knows that Dieu savait que the world we are living, la manière dont ils vivent, c'est une manière familiale. Il faut, c'est la manière où la famille doit vivre. Godly family. Ok, c'est la famille selon Dieu. Amen. 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 Because God, before the fall of human being, parce que Dieu avant la chute de l'humanité, God created the family, Dieu a créé la famille, to be according him, pour qu'elle soit selon lui, to look like him, pour qu'il puisse lui ressembler. To behave according God. Puisse se comporter selon lui. Amen. We are coming there. Amen. 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 God created man. Et Dieu a créé l'homme. And the woman. Et la femme. Follow me now here now. Suivez maintenant. This is one of the mystery. Ça c'est un des mystères. From Genesis. Dans le livre de Genèse. The Bible says. La Bible dit. God bless them. Dieu les a bénis. Amen. Amen. Let us read Genesis chapter 2 verse 18, please. Lisons Genèse chapitre 2, verse 18 from 18. Ok, Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Now look now. Regardez maintenant. Do you see like some contradiction there? Est-ce que vous ne voyez pas un peu qu'il y a une certaine contradiction ici? Au premier chapitre, God said he created the man and the woman. Dieu dit qu'il a créé l'homme et la femme. And God blessed them. Et Dieu les a bénis. Is it correct? Ça c'est correct. Oh come on, amen. Amen. By chapter 2. Et au chapitre 2, when you are reading now, et quand vous lisez maintenant, God come again himself, Dieu revient maintenant. It is not good for a man to be alone. Et il dit ce n'est pas bon pour que l'homme ne soit seul. Where is the woman? Où est la femme? God created and blessed them. Que before. Dieu a créé et béni autrefois. Ah, look at you now. Regardez-vous. Amen. Amen. We are coming. Nous sommes en train de venir. I don't confuse you. Je suis pas en train de vous mettre en confusion. This was the time of the revelation. Ça c'est le temps de la révélation. The first person. La première personne. God created. Que Dieu a créé. Was man. Était l'homme. And that man. Et cet homme. Was fully man. Where God really took the woman out of the man. Cet homme était un homme rempli, plein de qui Dieu allait prendre la femme. According God, selon Dieu, the woman, la femme, and the man, et l'homme, they were all be created. Ont déjà été créés. You don't get me here now. Vous comprenez pas. Can I bring it to you now? Est-ce que je peux encore mieux l'expliquer? Because when God created, et quand Dieu a créé l'homme, the Bible says, la Bible dit, he took the dust. Il a pris la poussière. Alléluia. Alléluia. God was an architect. God was the one who designed. Dieu était l'architecte. Dieu était le designer. God is a master designer of men. C'est le maître, le chef-d'œuvre. Amen. Le maître d'œuvre. God designed how the man will look like. Il a décidé la manière dont l'homme doit être. How tall man will be. Comment est-ce que l'homme doit être sa taille. And how men can be muscles. Comment est-ce que l'homme doit avoir les muscles. And God created. Et Dieu a créé. But when men. Mais en lui, en l'homme. Men didn't know. L'homme ne savait that pas. That woman is there. Il y avait la femme à l'intérieur. Ah, come on, amen. Amen. Because God is already. Parce que Dieu avait déjà dit. He blessed them. Je les bénis. But man, mais l'homme was not able. N'était pas capable de voir. What is next to him? Ce qu'il y avait en lui. I'm coming now. Je viens maintenant. And the Bible said this. Et la Bible dit ceci. After God giving the man responsibility. Après que Dieu donnait la responsabilité. I'm speaking about God is the one who initiated the family. Je suis en train de dire que Dieu est la personne qui a initié la famille. The Bible said this. La Bible dit ceci. God is saying now. Dieu dit maintenant. Is not good. Ce n'est pas bon. For a man to be alone. Pour que l'homme soit seul. Let me try to find out how many men are alone here. Can I see your hand, please? Est-ce que je peux voir tous les hommes qui sont seuls ici, tous les hommes qui sont seuls, célibataires? Can I see your hand if est-ce que alone? Peux voir vos mains, if s'il vous plaît? Marry, si tu n'es pas marié, raise up your hand, si please. Tu n'es pas marié, lève ta main. Levez juste vos mains. Soyez humble. Please, please, just raise up your hand. S'il vous plaît, levez vos mains. Don't put your hand like this. Ne mets pas ta main comme ça, Landry. Oh, praise. Don't scare. N'aie pas peur. Okay, how many women are here? Y a-t-il combien de femmes sont ici? Can I see your hand, please? Y a-t-il combien de femmes qui ne sont pas mariées ici? Je peux voir vos mains? Levez bien les mains. Les sœurs qui ne sont pas mariées. Okay, can I ask Alléluia. You a question now? Est-ce que je peux poser une question maintenant? How many of you are ready for marriage? Combien d'entre vous sont prêts ou prêtes pour le mariage? Ah. Non, mais ils sont sincères. Ils sont sincères.
Combien sont prêts et prêtes pour le mariage? Levez les mains. My girl, come here. You come. Ok. Ma fille vient. Il y en a, c'est par la force. Non. You don't understand. Écoutez, vous devez comprendre. Prophetically, prophétiquement, I'm gonna do something with this lady. Je vais faire quelque chose avec cette fille, cette femme. Pourquoi? You present your hand up. Parce que tu as levé ta main. You break all the system of the enemy. Tu as brisé tout le système de l'ennemi. Come on. You were not embarrassed. Tu ne seras pas embarrassé. You were not embarrassed. Tu ne seras pas embarrassé. You were not embarrassed. You were not. Ok, tu n'es pas. Tu n'étais pas embarrassé. To raise up your hand. Ok, tu n'étais pas obligé de lever la main. Mais je vais te dire, en tant que l'homme de Dieu, write this day, écris ce jour. By next year when I'm coming, juste à l'année prochaine quand je viendrai. Next year when I'm coming, l'année prochaine, you're gonna find a man. Tu vas trouver un homme. Je prophétise dans ta vie, en tant qu'un homme de Dieu, d'ici l'année prochaine, tu vas trouver un homme. Amen. Amen. And your man, et ton homme will be a man of God. Sera un homme de Dieu. Non. Oui. Non. Maintenant, what I'm saying is, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. God intention, parce que l'intention de Dieu, c'est pas, et c'est que tu ne sois pas seul. I'm about to pray now. Je vais maintenant prier. That God might bring, pour que Dieu, God might bring, que Dieu puisse apporter, the person he created for your life. Que Dieu puisse amener la personne qu'il a créée pour ta vie. I come to cut off. Je viens détruire. Every person. Personne will bring the distraction over your qui va amener la distraction dans let ta vie. God honor you. Que Dieu t'honore. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que mon Dieu t'honore? Est-ce que mon Dieu t'honore? Tu ne vas plus expérimenter de déception. I say you shall not experience any deception. Tu ne expérimenteras my plus de déception. Mon Dieu qui est dans le ciel. Even your mother fell, même si ta maman a échoué. Your father fell, même si ta papa, ton papa a échoué. Je viens de déclarer dans ta vie, man of God, avec un homme de Dieu, que ta vie sera changée. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. You people, alléluia. Écoutez amen. Maintenant. You are already missed. Okay. You are already missed. No, can you read more for me, please? Genesis chapter 2 from 18, and we keep reading. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre tous les animaux de champ. Continue. Keep reading. Tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. Keep reading, non? Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Come on, somebody, man. Amen. The Bible says, la Bible dit, God called all the animals, Dieu a appelé tous les animaux to come, pour venir to, for men to give them the name, pour que l'homme leur donne des noms. Every animal you are calling by the name today, chaque animal que tu appelles par le nom aujourd'hui was given the name by Adam and Eve. Leur nom a été donné par Adam lui-même. Amen. Amen. Adam, il s'est dit, you are a dog. Ah, c'est Adam qui a dit, toi, à partir de maintenant, tu t'appelleras chien. You are a crocodile. Toi, tu es un crocodile. You are a snake. Toi, tu es un serpent. You are this. Tu as ceci. And everything settled. Et tout a été fait. But the Bible says, la Bible dit, but a man, pour l'homme, he didn't see, il n'a pas vu somebody like him, quelqu'un de semblable à lui. The desire was there, il y avait le désir qui était là. No one was like him. Mais personne n'était comme and lui. The Bible says, et la Bible dit, God says, que Dieu dit, he is not good. Il n'est pas bon. Now, keep reading now, please. Regarde maintenant. Read now, read now, je please. Veux lire maintenant. Which verse? Which verse? Yes, keep reading while we're still. Ok, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Can I say to somebody, je peux dire à quelqu'un ici, for those who want to get married, pour ceux qui veulent se marier, be careful. Soyez prudents. Amen. Amen. Can I say again? Est-ce que je peux le dire encore? Young man, jeune garçon, young woman, jeune fille, take your time. Prenez votre temps.
Don't follow him because he's good looking right now. Okay, ne le suis pas parce qu'il a une belle apparence. If I put my picture on Facebook, j'ai mis une de mes photos sur Facebook ce matin. 29 years ago. 29. Il y a 29 ans avant. When you look at me on that time, si vous me regardez à ce temps-là, and you look at who I am today, vous regardez maintenant, big difference. Il y a une grande différence. Amen. Amen. I'm telling you. Je vous dis. Now, if my wife, si ma femme, marry me, m'a épousé, on that time, en ce temps-là, because who I was on that time, parce que pour ce que j'étais en ce temps-là, or if he refused to marry me, ou s'il avait refusé de m'épouser, because on that time, parce qu'en ce temps-là, I was responding, je ne répondais pas, according to the kind of man she was looking, selon les critères des hommes qu'elle voulait. By today, mais aujourd'hui, she be suffering. Sinon, et aujourd'hui, elle allait souffrir. Amen. Amen. But the life we are living, et la vie que nous menons aujourd'hui, is full of surprise. Est remplie de surprises. Oh, can I help you? Est-ce que je peux vous aider maintenant? The Bible says, la Bible dit, when God created Adam, et quand Dieu a créé Adam, before he released Eve, avant qu'il puisse relâcher God Eve, make Adam to sleep. Dieu a fait tomber Adam dans Why? Un profond sommeil. Pourquoi? Why God didn't just make Adam walking? Pourquoi Dieu n'a pas seulement fait lever Adam pour qu'il marche? I have a question to ask God. Did you go to heaven? J'aurais une question à poser à Dieu quand je serai au ciel. When he created man, parce que quand il a créé l'homme, he took the dust. Il a pris la poussière. Amen. Amen. But when he wanted to create the woman, mais quand il a créé la femme, he took the rib from the man. Il a pris la côte de l'homme. And that rib, et cette côte, he didn't mix it with the dust. Il n'a pas mélangé cela avec la poussière. Okay. Oh, come on. Oh, come on. Amen. Amen. Check out. Regardez bien. He took the rib, il a pris la côte. And the Bible say, et la Bible dit, you don't get me. Me comprenez pas. When God created man, et quand Dieu a créé l'homme, man of God, homme de Dieu, God breathed on man, Dieu a soufflé sur l'homme. But when he created woman, mais quand il a créé la femme, he didn't breathe on woman. Il n'a pas soufflé sur la femme. Read your Bible. Lisez bien vos Bibles. Amen. Amen. There's a mystery and a revelation. Il y a un mystère et une révélation là-dessus. Amen. Amen. God want to show. Dieu voulait nous montrer. In every family, que dans chaque famille, the head must be there. Hein? The head must okay, be there. La tête doit être là. God didn't create one person and two heads. Dieu n'a pas créé une personne avec deux têtes. Hey. Now the society we are living mais la société dans laquelle nous vivons maintenant, they are changing the structure of the family. Ils sont en train de changer la structure de la famille. Oh, come on, amen. Amen. I don't undermine the woman. Je ne suis pas en train de diminuer ou de mépriser but les femmes. Every family, mais dans chaque famille, the head must be there. La tête doit être là. God's family, dans la famille selon Dieu, the head must be there. La tête doit être là. The one who receives instruction. La personne qui reçoit les instructions. Why today we have so many divorces in the church? Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces dans l'église? Everyone wants to be the head. Tout le monde veut être la tête. Oh, come on, amen. Amen. That's what the society defined. C'est ce que la société est en train that's de défendre. Hollywood defined. Et c'est ce que le Hollywood est en train de définir. That's what the movie defined. Est-ce que les sont les films sont en train de décider? Écoutez. You need to understand who you are. Comprendre ce qui vous êtes. You are not neglected by God. Tu n'es pas négligé par Dieu. But you need to understand. Et tu dois comprendre. According God, structure. Selon la structure de Dieu divine. God always. Dieu fait toujours. Deal with one person. Deal with one person. Que Dieu traite toujours avec une personne. God is not like a team worker always. Dieu ne travaille pas toujours avec une équipe. Oh, come on, amen. Oh, come on, amen. Amen. Even that's why in the church. C'est pourquoi dans l'église, the pastor must be there. Le pasteur doit être là. As a father. Comme un père. Believe or not believe. Croyez ou ne croyez pas. I love a lot of people. J'aime beaucoup de personnes. In our church, dans notre église, we don't have the pastor. Oh non, on n'a pas de pasteur. All of us, nous tous, we are just the leader. Nous sommes tous des leaders. Ah. Ça se passe pas comme ça. Oh, in my family, oh, dans notre famille, me and my wife, moi et ma femme, we are the same. Nous sommes les mêmes. I said to my wife, je dis à ma femme, hey, hey, number one, le numéro un,
I'm a man of God. Je suis un homme de Dieu. And I'm the one who received the call. Et je suis la personne qui a reçu l'appel. It's not you. C'est pas toi. I'm honest. Je suis honnête. God called me before her. Dieu m'a appelé avant de l'appeler. I preached her to come to church. Je l'ai prêché pour qu'elle vienne à l'église. No matter how God can use her. Peu importe la manière dont Dieu peut l'utiliser. She doesn't understand. Elle doit comprendre. I'm the head of the family. Et je suis la tête de la famille. Oh, me, I can't submit to my husband. Oh non, moi je peux pas me soumettre à mon mari. And you can't submit. Tu peux pas te soumettre. You come to the pastor. Et tu viens au pasteur. Pastor, pray for me. Oh, to pasteur, get married. Viens, prie pour moi. Je veux me marier. With who? Avec qui? I'm in trouble now with the woman now. Yeah? Ah, je suis en trouble avec les femmes. Hein? Now, we are getting there. Écoutez. The Bible says this. La Bible dit ceci. Give me time. I'm gonna finish. Ok, donnez-moi un peu de temps. Je vais finir. The Bible says, la Bible dit, God said, Dieu dit, He make Adam to sleep. Il a plongé Adam dans un profond sommeil. And through that process, et a fait ce processus. God didn't want Adam to take part of everything. Dieu ne voulait pas que Adam puisse prendre part à toute chose. You know why? Vous savez pourquoi? Otherwise, autrement, Adam gonna discuss. Adam allait discuter. Have argument. Avec des arguments. I want her to look like je veux this. Qu'elle soit comme ça. I want her to be tall. Je veux qu'elle soit grande. I want her to have a good shape. Je veux qu'elle puisse apparaître bien. I want the eyes to be blue. Je veux qu'elle soit des yeux bleus. Amen. Amen. But the Bible say, et la Bible dit, God didn't want Dieu ne voulait pas. Can I say to somebody, est-ce que je peux dire à quelqu'un ici? Everything God bring for your life, toute chose que Dieu amène dans votre vie, is good. C'est bon. The Bible say, la Bible dit, everything God created, tout ce que Dieu a créé, was good. Était bon. I don't believe, je ne crois pas, that God will give you something bad. Que Dieu va te donner quelque chose de mauvais. What you see is bad now. Ce que tu vois qui c'est merveilleux maintenant. Understand. Tu n'as pas encore compris. Tomorrow, et demain, it will look like, oh, comment est-ce que ça sera? Always I give the example of my wife. Oh, tous les jours je donne l'exemple de ma femme. Because I love her. Parce que je l'aime. I love her. Je l'aime. Do you know it's my duty? It's my duty to love my wife. Est-ce que vous savez que c'est mon droit de mon devoir? Merci. My wife. Ma femme. Ma femme. Doesn't have a duty to love me. Ma femme n'a pas le devoir de m'aimer. But I'm the one according to the Bible. Mais moi, selon la Bible, je dois l'aimer. I'm coming there. Je vous dis. I will blow your mind. No. Yes. We're talking. No. Can I say this? Est-ce que je peux dire ceci? Biblically speaking. Biblically parlant. God, et selon Dieu. The responsibility to love. De la responsabilité d'aimer. From Genesis to Revelation. De Genèse à Apocalypse. Was given to man. A été donné à l'homme. Look in the Bible. Regardez dans vos Bibles. The Bible says from Ephesians. La Bible dit dans Ephésiens. Chapter 5. Au chapitre 5. Men. L'homme. Love your wife. Aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Oh, come on. Amen. Men love your wife. Marie, aimez vos femmes. As Jesus loved the church. Comme Jésus a aimé l'église. Now, there is misinterpretation of this verse. Il y a beaucoup de mauvaises interprétations de ce verset. Most of men. Beaucoup d'hommes. They just use. N'utilise pas. They just use. Ok, utilise juste. Woman. La femme. Submit your husband. Femme, soumettez-vous à vos maris. Oh, come on. Doesn't work like that. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Amen. Before the woman begin to submit. Avant que la femme ne commence à se soumettre. The man must show the love. Le mari doit commencer à aimer. Oh, come on, amen. Come on, amen. The Bible. Selon la Bible. Family according God. La famille selon Dieu. The man. L'homme. You must love first. Tu dois aimer d'abord. I'm breaking it now. Je vais essayer. And the Bible says. Et la Bible dit ceci. You need to love. Tu dois aimer. The way Jesus. La manière dont Jésus. Love the church. Aime l'église. Now. Regardez. The parallelism between. Il y a un parallélisme entre Jésus et l'église. No, my question is this. La question est celle-ci. What Jesus. Pourquoi est-ce que Jésus. Has done for the church. Qu'est-ce que Jésus Christ a fait pour l'église? Ok. Il s'est sacrifié. Number one. La première des choses. He gave himself for the church. Il s'est donné lui-même pour l'église. Now, if you want your wife. Si tu aimes, si tu veux ta femme.
to love you, pour que ta femme, femme puisse se soumettre à toi, you need to give yourself for her first. Tu dois te donner d'abord à elle, premièrement. Amen. 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 There's a lot of men that are so hypocritical. Il y a beaucoup d'hommes qui sont hypocrites. They don't know how to love their women. Ils ne savent pas comment aimer leur femme. For those who are married. Pour ceux qui sont mariés. Can I ask you a question? Je peux vous poser une question. When was the last time did you say to your wife, "I love you, baby"? Quelle est la dernière fois que tu as dit à ta femme, "Je t'aime, ma femme"? Pour moi, je le dis, je t'aime, ma femme. Maintenant. Amen. Now. That's good. Okay. I say it now. You're saying it now. Yeah. Oh, that's good. Amen. Amen. Now look now. Regardez maintenant. According God. Selon Dieu. When God created man. Quand Dieu a créé l'homme. Man, God make man to sleep. Dieu a fait que l'homme puisse s'endormir pour une raison. Because man, God wants excited the desire for man to know how to love his wife. Okay. When God created man. Oui, quand Dieu a créé l'homme. And God make man to sleep. Et Dieu a voulu qu'elle puisse s'endormir. What God was preparing? Est-ce que Dieu était en train de te préparer? God was trying to prepare. Dieu était en train de préparer. Appetite for man. Il était en train de préparer l'appétit de l'homme. Because when he see the woman. Parce que le jour quand il va voir la femme. To blow the mind. Oh, il va éblouir sa pensée, son imagination. If your wife. Si ta femme. Never blow your mind. Si ta femme ne te never blow your mind. To blue. Si elle ne t'éblouit pas, something must be wrong. Oh, quelque chose ne va pas. Woman, femme, family according God heart. Selon la famille selon le cœur de Dieu. You have to know how to be attractive to your man. Tu dois savoir comment être attirante à ton mari. Oh, come on, amen. Amen. Oh, come on. Amen. Can I help somebody? Est-ce que je peux aider quelqu'un ici? Because sometimes, vous savez, quelquefois, we think like the marriage just works with the prayer. Nous pensons que le mariage ne marche qu'avec la prière. I bound it, I lose it, I cast it. Je détruis, je renverse, je brise. Robo shikandaraba. No. Adam was attractive. Était attiré. Not for prayer. Pas par la prière. Mais par l'apparence. Oh, come on. Can I say it again? Est-ce que je peux le dire encore? Adam was attractive. Était attiré. Non, pas riboshida, reboshida. Et Adam. Mais Adam. The Bible says. La Bible dit. When she wake up. Quand s'est levé. Quand il s'est levé, dit. Oh. Come on, amen. Amen. Was attracted. Était attiré. What is outside? Ce qui était dehors. Can I say this? Je peux dire ceci. The beauty of the lady. La beauté de la femme. Is inside. Et à l'intérieur. But before I discover what is inside, mais avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, what attracts me, ce qui m'attire d'abord, is what is outside. C'est parce que c'est ce qui est dehors, à l'extérieur. Now, since you've been married, depuis que tu es marié, you don't dress again well. Tu ne t'habilles plus bien, femme mariée. Hey! Hey! You don't even know. Some makeup. Tu ne mets même plus le make-up. Come on. Le make-up, c'est ça, make-up. Hein? The way you dress the day I start with you. Ouais, tu as oublié la façon dont on a commencé, comment tu étais. Can I say to somebody? Est-ce que je peux dire à quelqu'un ici? Don't let your husband the eyes go in the round. Ne laissez pas vos maris avoir des yeux à gauche, à droite. Amen. Learn how to look good. Apprenez à être bien, à vous bien vous présenter. Me, I'm already married. Oh, moi, je suis déjà marié. Okay. No, let me come now. Laissez-moi terminer. The Bible says this. La Bible dit ceci. God. Dieu. Make Adam to sleep. A plongé Adam dans un sommeil. And through Adam. Et au travers d'Adam. The rip. Et après. There's more I can speak about even a medical proof of that. Et il y a beaucoup de choses à dire même avec des preuves médicales. Even psychological proof of that. Et même la psychologie prouve cela. God created a woman. Dieu a créé une femme. Especially the brain of woman. Et spécialement le cerveau de la femme. It work more better than the brain of man. Il travaille mieux que le cerveau d'un homme. It's a proof of psychological. Et c'est prouvé psychologiquement. One woman, une femme, he can do 10 things once. Elle peut faire 10 choses en même temps.
He's cooking. Elle est en train de cuisiner. He's speaking. Elle parle au téléphone. He's giving the order. Elle donne des ordres. He's looking this. Et regarde ceci. But a man. Mais un homme. When a woman comes. Quand la femme vient. Can we do this? Tu peux faire ceci? Just wait. Attends. Let me finish here. Attends, je termine d'abord le but match. But a woman. Mais la femme. Can you open here? Elle peut ouvrir ici. You are saying something. Tu peux dire quelque chose. She's listening. Elle a entendu. At the same time. Et en même temps. You're doing another thing. Elle fait autre chose. But us as a man. Demande à un homme. We are not able for that. On n'est pas capable de le faire. Amen. Amen. No, let us come now. Laissez-moi venir maintenant. What is the family according God's plan? Quelle est la famille selon le plan de Dieu? The family. La famille is a the group of people. Un groupe de personnes. Which is started by one person or two people. Qui commence avec deux personnes. Father and mother. Le père et la mère. In the house. Dans une maison. Amen. Amen. Through the family. Au travers de la famille. We see the nation. Derrière la famille, nous voyons les nations. But with the nation out family, the nation without the family, et les nations sans les familles, the nation will not exist. Les nations ne vont pas exister. Can I say it again? Est-ce que je peux le dire encore? With the family, avec la famille, we see the nation. Nous voyons les nations. But with the nation, mais avec les nations, without the family, sans les familles, the nation will not exist. Les nations ne vont pas exister. Amen. Amen. Now, what God was doing is this. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? God was looking a family to represent in His name around all the world. Dieu veut que des familles puissent représenter Son nom. God was looking a family. Dieu était en train de chercher une famille. God was looking a family. Dieu était en train de chercher une famille. God was looking a family. Dieu cherchait le passé, une famille pour lui représenter dans le monde. Dieu cherchait une famille. That's the way I'm saying. It's correct, yeah. Correct, yeah. I'm not French speaking. I trust your French. Yeah, it's okay. Yes. Amen. Dieu cherchait une famille pour le représenter dans ce monde. After Adam and Eve. Après Adam et Eve. The Bible says this. La Bible dit ceci. Noé found favor in the eyes of God. A trouvé grâce aux yeux de Dieu. God always. Dieu toujours. Deal with the family. Traite toujours avec les familles. When God called the father. Quand Dieu appelle le père. He called the children. Il appelle les enfants. He called the mothers. Il appelle la maman. I will show you the Bible. Je vais vous montrer dans la Bible. God never called one person. Dieu n'appelle pas toujours une personne. Juju, one thing you need to understand. Stand up. Une chose que tu dois comprendre, Juju. The day God called you. Le jour Dieu t'a appelé. God called your children. Dieu a appelé aussi tes enfants. The alliance you are making, the covenant you are making with God. L'alliance que tu fais avec Dieu. Just for yourself only. Juste pour toi-même. It's for your household. C'est aussi pour toute ta maison. Now, what you need to do now, ce que tu dois faire maintenant, you need to have a strategy, tu dois avoir des stratégies. How to raise your children, comment est-ce que tu peux lever tes enfants in godly way. Dans, selon les voies de Dieu. Because that's your duty. Ça, c'est ton devoir. When God called Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, when God called, Noah, quand il a appelé Noé, Noah and his family, Noé et toute sa famille they were saved. Étaient sauvés. When God called Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, God called Abraham. Il a appelé Abraham. And God called Isaac. Il a aussi appelé Isaac. Amen. Amen. And when God called Isaac, quand j'ai appelé Isaac, God called Jacob. Il a appelé Jacob. Oh, come on, amen. Amen. And when God called Jacob, j'ai appelé Jacob. And we see the 12 tribes, all of them that were called by God. Et nous voyons aussi les 12 tribus aussi appelées par Dieu. Amen. Amen. God called all of them. Dieu les a tous appelés. The reason God called them. La raison pour laquelle Dieu les a appelés. God was looking a family. Dieu était en train de chercher une famille. Which will be able. Qui serait capable. To be a role model. Pour être un for modèle. For the nation of the world. Pour les nations to de la know terre. God. Pour connaître Dieu. I'm coming down. Je viens maintenant. The Bible says this. La Bible dit ceci. When God called Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, God called Isaac, Dieu a appelé Isaac, and God called Jacob, et Dieu a appelé Jacob, and Jacob has 12 children. Et Jacob a eu 12 enfants. You know the story. Vous connaissez l'histoire. To cut the story. Nous pouvons réduire l'histoire. The Bible says this. La Bible dit ceci. They found themselves in the Egypt. Et ils se sont retrouvés en Égypte. When they found themselves in Egypt, et quand ils se sont retrouvés là, on that time, en ce temps-là, God wanted to reveal to them a lot. Dieu ne se révélait plus à eux. But the nation, the family was growing. Mais la famille était en train de grandir. The family was growing. La famille était en train de grandir. The family was growing. La famille était en train and de grandir. Until after 400 years. Jusqu'après 400 ans. God get them out. Dieu les a sortis. Follow me now here, please. Suivez maintenant. When God get them out. Quand Dieu les a sortis.
In the wilderness, dans le désert, from the book of Exode, dans le livre d'Exode, the nation of Israel was born. Et la nation d'Israël est née. Amen. Amen. The nation which started by the family. La nation qui a commencé par une famille. And that nation now, la même nation was selected a été sélectionnée to reveal the glory of pour God révéler la gloire de Dieu other nation. Autour des autres family nations. Family according God plan. La famille selon le plan de Dieu. Et la famille. This is able. Qui est capable to live a godly model qui peut être un modèle véritable in society we are living. Dans la société dans laquelle nous vivons. Oh, come on, amen. Amen. Can I say it again? Est-ce que je peux le dire encore? Family according God heart. La famille selon le cœur de it's Dieu. A family c'est la famille which is able qui est capable to live godly life de vivre la vie de Dieu in society we are living. Dans la société dans laquelle nous vivons. This is the family God is looking. C'est ça, c'est la famille que Dieu est en train de chercher. I will come to you now. Je viens maintenant vers you vous. Know about this. Vous savez ceci. That when the nation was born, quand la nation est née, the Bible, la Bible, the Ten Commandments, les 10 commandements, and all the institutions, et toutes les institutions, the Bible say, la Bible dit, God, Dieu, give them, leur a donné, the Ten Commandments, les 10 commandements, and the law how they should live as a nation, et les lois pour savoir vivre comme une nation. Amen. Amen. God say, you are chosen a generation. Dieu a dit, vous êtes une génération you choisie. You are mine now. Vous êtes, vous m'appartenez. I'm yours now. Et je suis à vous maintenant. And the reason I'm calling you now, et la raison pour laquelle je vous appelle maintenant, I want you to represent. J'aimerais que vous puissiez me représenter partout. Non seulement une personne. It become no family matter. Mais c'est vraiment une affaire de famille. Amen. Amen. It become a God of family. Il devient un Dieu de famille. Amen. Amen. How are you following me now, please? Et suivez-moi maintenant. And to stop here. Pour arrêter là. I'll finish my message next time or on Sunday. Je finirai mon message la prochaine fois, le dimanche. The Bible says this. La Bible dit ceci. When Joshua understand this, quand Josué a compris cela, he said this. Il a dit ceci. Israel, il dit Israël, if you want to serve God, il ne sait pas servir Dieu. If you want to serve God, si tu ne veux pas servir Dieu, me and my house, mais moi et ma maison, we're gonna serve God. Nous servirons l'Éternel. Amen. Come on, amen. Amen. When Joshua understand, quand Josué a compris, say, no, 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 il dit non, non, non. If you guys, ici vous les gens, you don't want, vous, vous ne voulez pas, house, moi et ma maison, family, ma famille, is me and my house, la famille c'est moi and et ma maison, are living with me, ceux qui vivent and avec moi, me and my house, moi et ma maison, we're gonna serve God. Nous servirons l'Éternel. God said to Moses, Dieu a dit à Moïse, I want to kill all those nations. Je veux détruire toutes ces nations. I want to kill all those children of Israel. Je veux détruire tous ces enfants d'Israël. But through you, mais au travers de toi, I can bring another family. Je veux susciter une nouvelle famille. And Paul, et Paul, in the jail, dans la prison, when the chain was broken, quand les chaînes ont été brisées, and the guard of the jail, et le geôlier of the prison, le gardien de la prison. He was so concerned. Était troublé, concerné was par about ça. To kill himself. Et il a voulu se suicider. And Paul said to him, et Paul lui a dit, don't be worried. Ne sois pas inquiet. We are there. Nous sommes là. And he asked Paul a question. Il a posé une question à Paul. What we should do now? Il dit, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? And Paul say, et Paul dit, if you believe, si tu crois, you and your family, toi et ta famille, you're gonna be saved. Vous serez sauvés. Oh, come on, amen. Amen. You and your family, toi et ta famille, you're gonna be saved. Vous serez sauvés. In the family, dans la famille, there is a father, il y a un père, there is a mother, il y a une mère, and there is a children, et il y a des enfants, and there is a people, those who are living, et il y a aussi des gens qui vivent dedans. What God is looking? Est-ce que Dieu est en train de every chercher? Every man here. Dans chaque, pour chaque homme ici. Every man here. Chaque homme ici. If you are a father, si tu es un père, be a responsible. Sois un responsable. Your house. Dans ta famille, dans ta maison. And the last one. Et la dernière chose. The person who opened. La personne qui a ouvert. The gospel to the Gentile. Qui a ouvert l'évangile aux nations. You know the story of this man? Connaissez l'histoire de cet homme? Corneille. Corneille. Amen. Amen. He was a family man. C'était un homme de famille. The Bible says this. La Bible dit ceci. He was praying even without knowing that God. Il était en train de prier sans connaître véritablement Dieu. Amen. Amen. And when they sent Peter to come to visit him. Et quand il a demandé à Pierre de venir le visiter. Him and his house. Lui et sa famille. Were saved. Lui et toute sa maison ont été sauvés. Family according God way. La famille selon le cœur de Dieu. Number one.
La première des choses. That those who are called to represent God. Ceux qui sont appelés à représenter Dieu. Those who are walking in God's way. Ceux qui marchent selon les voies de Dieu. Amen. Amen. Those who are not compromising their lives. Ceux qui ne se compromettent pas leur vie. And a big family for God. Et être une grande famille pour Dieu. Is the church of God. C'est l'église de Dieu. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. I just want to pray. J'aimerais juste prier. For somebody here. Pour quelqu'un ici. The society we are living. La société dans laquelle nous vivons. Is stealing our rights as a father and a mother to raise our children. Est en train de voler nos droits en tant que papa, parent, maman, papa pour éduquer nos enfants. They are imposing to us. Ils sont en train de vouloir nous imposer. How we can raise our children. Ils veulent nous imposer comment est-ce que nous devons élever, éduquer nos enfants. The base. La base. And the foundation of our education. La base et les fondements de notre éducation. Must be from the word of God. Doit être de la parole de Dieu. Young people. Jeunes hommes. Listen to me. Écoutez maintenant. Obey your parents. Obéissez à vos parents.